et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans un magasin, on se retrouve, il y a Marion qui est juste là. En fait on est dans le magasin HBO, pour ceux qui ne connaissent pas c'est la chaîne qui passe Game of Thrones. Donc Marion a voulu rentrer parce qu'elle a vu la devanture. Et Marion, qu'est-ce qu'il y a là? Regarde, il y a des verres Sex and the City. En fait il y a un verre par nana, genre ça c'est le verre de Carrie. C'est trop cool. Ouais, moi j'adore Sex and the City aussi, je trouve que ça représente trop New York. Parce que j'arrivais pas à voir les yeux. Voilà. Donc, Marion a craqué à la boutique HBO. Marion a acheté une tasse Sex and the City. Bah, elle aura vu déjà. Ah bon, d'accord. Le temps que je sorte mes vlogs, ce sera sûrement mi-juillet. Bon, bah, Justine, voilà, tu sais ce que tu vas voir. Voilà. Tu veux montrer la tasse? Non, elle est emballée. Ah oui, merci. Regardez sur le site HBO. Voilà, regardez sur le site HBO. Ça y est, je bug. Et il y avait aussi pas mal de goodies Game of Thrones. Voilà, d'abord c'est pour ça qu'on était rentrés. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va prendre comment on appelle ça? Téléphérique. Voilà, un téléphérique pour aller sur Roosevelt Island, que j'avais déjà vlogué, que vous connaissez si vous me suivez depuis les débuts. Si vous me suivez pas depuis le début, et bien comme ça vous allez pouvoir découvrir. C'est une île en fait où il n'y a pas trop de touristes, moi je trouve, donc c'est parfait si vous venez un jour à Manhattan, un petit truc à faire qui est pas trop connu par rapport à Times Square ou quoi. Donc voilà.
doit être 10h30, 11h moins le quart, voilà. Donc on se retrouve beaucoup plus tard, on n'a pas fait grand chose depuis la dernière séquence que j'ai vloguée. Je me souviens même plus ce que j'ai vlogué. Tant pis. Donc ce matin, début d'après-midi, on est allé, comme vous l'avez vu, à Roosevelt Island. Donc on a pris le téléphérique, j'ai montré à Marion. Donc l'hôpital désinfecté que vous avez vu, en fait c'était contre la tuberculose il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et en plus, après il y a le mémorial de Roosevelt. Ensuite, on allait faire du shopping, qui n'était pas prévu parce que c'était pas ça le programme, mais on continuera le programme demain. Donc voilà, on est allé au NBA Store, on est allé HBO Store, on est allé NBC Store. Donc c'est que des chaînes en fait américaines pour certains programmes, comme vous avez pu voir Sex and the City, Game of Thrones, Friends, l'émission avec Jimmy Fallon. Donc voilà. Marion a craqué, moi j'ai craqué au NBA Store, mais c'est pour mon host brother parce que la semaine prochaine c'est son anniversaire, donc voilà, ça tombait bien que on y soit, comme ça j'ai pu lui acheter un petit truc. Et oui, c'est une bonne idée de cadeau parce que les garçons c'est toujours un problème je trouve pour les cadeaux. Voilà, donc là après on est rentré parce que mine de rien on fait quand même 15 à 20 km de marche par jour, donc là nos pieds ils commençaient un peu à dire stop. On en a marre, ça fait 15 jours que vous nous faites faire 15 à 20 km par jour, on veut se reposer. Donc on est rentré en fait vers 8h, 8h15 à l'appart et on s'est posé, on a regardé une nouvelle série sur Netflix un peu chelou et ensuite on s'est préparé. Donc là on va aller en boîte de nuit, donc comme vous en doutez je vais arrêter mon vlog ici, je vais pas vous emmener avec moi parce que ce n'est absolument pas intéressant, puis voilà. Emmener ma caméra en boîte, je vois pas trop l'intérêt. Vous savez déjà comment ça se passe, c'est la même chose en France. Donc voilà, j'espère du coup que ce petit vlog vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Bye.